La basilique Saint-Pierre domine la place de sa coupole, dessinée par Michel-Ange. Construite à partir du XVIe siècle, ses dimensions sont colossales. C'est la mère de toutes les églises. Un chef-d'œuvre né de l'énergie des plus grands artistes de la Renaissance, Michel-Ange, Bramante et Raphaël, avant que le Bernin, le grand maître du baroque, n'harmonise le tout. Voici l'espace le plus sacré de la basilique, la confession de Saint-Pierre, délimitée par une rangée de lampes qui brûlent jour et nuit. Son histoire remonte au 1er siècle. Rome s'étend alors jusqu'au Tibre. De l'autre côté du fleuve, s'ouvre une plaine surmontée de la colline du Vatican. C'est là que se dresse le cirque de Néron. Il est le théâtre des grandes persécutions chrétiennes ordonnées par cet empereur romain en 64 après Jésus-Christ. La tradition catholique raconte que c'est ici, au pied de l'obélisque, que Pierre aurait été crucifié, la tête en bas, puis enterré dans une nécropole toute proche. Deux siècles et demi plus tard, l'empereur Constantin se convertit au christianisme. Pour donner une portée symbolique à sa décision, il fait raser le cirque et construire une basilique sur la sépulture de Pierre. Voici à quoi ressemblait la basilique Saint-Pierre jusqu'au début du XVIe siècle. Elle était précédée d'une grande cour au centre de laquelle se trouvait une fontaine à ablution décorée d'une pomme de pin. Aujourd'hui, la basilique et la coupole s'élèvent exactement au même emplacement. Et depuis des siècles, c'est ici que la mémoire de Saint-Pierre est conservée. À l'endroit même où tout a commencé. Il s'agit du point central de la basilique, le cœur de la basilique. En face de nous se trouve une mosaïque du IXe siècle qui représente Jésus. Cette niche fait partie d'un petit autel, une construction pour la dévotion qui indique le lieu de la tombe de l'apôtre Saint-Pierre. Comment a-t-on trouvé la tombe de Saint-Pierre ? La tombe de Saint-Pierre a toujours été conservée avec beaucoup de déférence. On ne peut pas dire qu'elle a été retrouvée. En 1939, le pape Pie XII a voulu creuser sous la basilique pour faire émerger l'histoire déjà connue par les textes. On savait que c'était la tombe de Saint-Pierre. Les fouilles l'ont simplement confirmé. Vous pourriez nous guider jusqu'à la chapelle Clémentine ? Grazie mille. La chapelle Clémentine est située sous la basilique, dans les grottes du Vatican. Une crypte où sont enterrés les souverains pontifes. Ah, voilà la chapelle Clémentine. La chapelle Clémentine est un sanctuaire destiné à protéger la tombe de Saint-Pierre. À sa mort, Pierre était un humble pêcheur, un étranger à Rome. Autant dire pour les Romains, un moins que rien. Néron régnait et son nom inspirait la peur à tous. Après 2000 ans, tout a disparu. Néron n'a laissé aucune trace. Tandis que la tombe d'un pauvre pêcheur est devenue une relique qui attire le monde entier. Pour accéder à la tombe, il faut entrer dans la nécropole romaine, mise au jour par les archéologues en 1939. Ici, on voit un petit trou, une petite ouverture. Et quand on l'a ouvert, on a découvert du marbre et des ossements. Dans cette petite niche funéraire, il y avait aussi des morceaux de tissu pourpre et des filaments d'or qui indiquaient que ce qui était là était précieux. On les a mis dans des petites boîtes pour qu'ils soient bien protégés. Et Paul VI y a inscrit ces mots. Voici les ossements. C'est bien la tombe de Pierre. Les analyses scientifiques concordent avec ce que nous connaissons de l'apôtre. Il s'agit bien d'un homme robuste, mort au 1er siècle, à l'âge de 60 ou 70 ans. Si pour certains le doute persiste, une chose est sûre, cette sépulture a fait l'objet d'un culte fervent depuis l'origine. On comprend aujourd'hui
Pourquoi le Vatican s'est construit ici ? Tout est né ici car il y a la tombe de Pierre. C'est parce qu'il y a la tombe de Pierre qu'ici se trouve la basilique Saint-Pierre. Parce qu'il y a la tombe de Pierre, ici vit le pape. Parce que c'est la résidence du pape, on est au Vatican. Ce mouchoir de poche, un espace destiné à protéger la liberté de son apostolat, de son service à l'Église. Mais tout ça, parce qu'il y a la tombe de Pierre. L'emplacement de la tombe d'un humble pécheur est devenu le centre de la chrétienté et le cœur de la civilisation occidentale. La basilique Saint-Paul hors les murs. Pourquoi Saint-Paul hors les murs ? Paul, en tant que citoyen romain, fut décapité et non crucifié. En tant que chrétien, il sera enterré en dehors du mur d'Aurélien, d'où son nom de hors les murs. Sa tombe étant celle d'un citoyen romain, elle n'a pas à être cachée et devient rapidement un lieu de vénération des chrétiens. Grâce à l'édit de Milan, en 313, qui reconnaît le christianisme comme religion, Constantin édifie une basilique au-dessus de la tombe de saint Paul. En 1823, un incendie détruit la majeure partie de l'édifice. Découvrons aujourd'hui la basilique Saint-Paul. Au milieu de l'atrium se dresse une statue colossale de Saint-Paul et de ses attributs. L'épée, instrument de son martyr, et le livre des épîtres de Saint-Paul. Sur le fronton de la façade sont représentés Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, les prophètes de l'Ancien Testament. Puis, au-dessus, l'agneau mystique entouré des quatre fleuves symbolisant les quatre évangiles et de 12 agneaux représentant les 12 apôtres. En arrière-plan, Bethléem, ville de la naissance de Jésus, et Jérusalem où le Christ mourra. Au registre supérieur, le Christ, entre Pierre et Paul. Entrons dans la basilique. La basilique se caractérise par un plan rectangulaire simple, divisé par des fils de colonnes qui définissent les bas-côtés, et un vaisseau central plus large venant buter sur le transept, ce qui lui donne une forme de croix. Le tout porte le nom de nef. En face de nous, la mosaïque de l'arc triomphal représente un passage de l'Apocalypse de Jean avec le Christ en majesté. De part et d'autre, les 24 vieillards qui sont les docteurs de l'Église. Au-dessus d'eux, les symboles des quatre évangélistes. Enfin, Saint-Pierre et Saint-Paul. Après l'incendie, on mit un plafond à caissons pour cacher la charpente. Ces ouvertures translucides sont en albâtre. Léon Ier, 45e pape depuis Saint-Pierre, entreprend de représenter tous les papes de l'histoire dans une série de médaillons peints dans la nef centrale. Après l'incendie de 1823, le pape Pie IX reprend le même principe en 1847 avec des médaillons en mosaïque sur fond d'or. Celui du pape actuel
est éclairée en permanence.